Salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Roblox. On est actuellement sur Kart Ride Tycoon. Alors je pense que vous connaissez déjà les jeux de type Kart Ride. Vous savez, ces jeux-là dans lesquels on monte dans un wagon et on se dirige vers parfois des endroits insolites. Par exemple ça. Clairement les jeux les plus intelligents de Roblox. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous aujourd'hui, vu qu'on est sur un Tycoon, ça va être à nous de créer notre propre Kart Ride. Et j'ai vu les images du jeu, apparemment on va en créer un minuscule et un gigantesque. Et même peut-être d'autres entre temps. Et là, bah, pour l'instant, je peux vous montrer ma petite production de noix de coco. C'est ça qui me rapporte de la thune, et autant vous dire que ça rapporte, hein. On est bien, on a 3 millions pour commencer ce Tycoon. Ça va être génial. Alors, par quoi commencer honnêtement? Déjà, on va mettre des petites barrières comme ça, histoire de décorer tout ça, mais on va surtout prendre le premier kart qui sera là. On peut le faire spawn? Oh, je crois qu'on a oublié les rails, les amis. Alors, attendez, est-ce que ça fonctionne déjà? Hop. Ah oui, ça fonctionne. Arrête-toi, stop. Reviens un petit peu en arrière, mon pote. Reviens, en arrière, j'ai dit. Ouais, il est bloqué, je crois. Bon, du coup, on va y mettre des rails. Alors, est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est ça. Oh, il y a aussi ce carte-là, mais oui, oh, c'est la même taille. Ah non, celui-là est plus grand. Celui-là, il a deux places. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Hut. Oh, une petite maison, au calme. Oh, trop stylé, il y a plein de petits os et de quoi boire pour un petit chien qui viendrait ici. Très bien, très bien. Non, mais regardez, je vois les autres joueurs, ils ont plein de trucs hyper stylés et différents, surtout, j'ai l'impression. L'autre, il a un kart ride qui monte... au paradis, j'ai l'impression. Pour ça va être trop classe. Alors donc, on a quoi ici? On a... Oh, les prochains rails, très bien, qui commencent à tourner. Ici, on a... Oh, ça va m'être utile. Ça va être pas mal utile. On peut courir un petit peu plus vite, ça fait plaisir. Et ici, on met des petites décorations avec des noix de coco qui, cette fois-ci, ne me rapportent rien. Et j'ai pas commenté ce petit cocotier goldé comme ça, en or, qui me rapporte, je pense, un petit peu de thunes. Ah oui, effectivement. Allez, voyons voir la suite. Nous prenons des petites barrières histoire de décorer tout ça et la porte. Voilà, on ferme comme ça, personne ne pourra venir. Et on est tranquille pour commencer. Non, mais après, c'est une sorte de kart ride. Alors, s'il y a des gens qui veulent venir, je les laisse entrer. Hop, ouvre-toi. Allô? J'arrive pas à ouvrir. Ah, il faut monter dessus, on peut pas cliquer. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a de quoi acheter. Waouh! Une cave? Oh, trop stylé, attendez, on va y aller en mode kart. Vas-y, va là-dedans. Ah non, on peut être deux dans ce kart. Très bien, très bien. Allez, go, avance, mon ami. Waouh, c'est parti, on va rentrer à l'intérieur. Waouh. Intéressant, c'est quoi? C'est des logos de Premium Roblox? On dirait ça. Franchement, je sais pas vous, mais ça me fait penser à un train fantôme pour l'instant. Je sais pas si... Ah oui. On est sur un train fantôme. Donc le premier thème aujourd'hui, ça va être ça. Oh, ok, une torche. Ah, trop cool. Waouh, là on est bien. On est clairement en train de faire un... un kart ride d'horreur là. Un train fantôme. Et allez, on met d'autres petits rails ici qui continuent. Très bien, très bien. Ici, c'est quoi? Wow, un coup de poing en pierre. Bon, très bien. Alors, je vais pas aller la suite à pied. Je vais prendre un petit kart. Bon, mais je suis trop pressé de voir toutes les attractions qu'on va avoir. Ça va être trop stylé. Allez, c'est parti. On rentre là-dedans. C'est déjà très classe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Hop, on s'arrête ici. Arrête-toi. Waouh, j'ai déraillé. Il repart. Arrête! Il drifte le type. Donc allez, on va remettre des petits rails ici, c'est vrai que ça manque. Et on va mettre de l'autre déco ici avec... Oh, une chauve-souris géante! Intéressant. Et là, une petite cascade. Trop stylé. On passe sur l'eau carrément. Oh, c'est comme une attraction à Disneyland. C'est un truc de fou. Allez, on continue avec des petits rails. Bon, bah pour l'instant, on va y aller à pied, parce que sinon, je suis obligé de repartir à chercher un petit kart. Et on va ressortir, apparemment. Mais qu'est-ce qu'on va voir? Oh, faut sauter. Waouh, une autre salle. Prenons les rails en premier. Ensuite, on va prendre des chaînes comme ça et des yeux hyper bizarres. Ah, ils me regardent. Ils me suivent du regard. Arrêtez de me regarder. Lâchez-moi du regard, s'il vous plaît. Vite, on s'en va d'ici. Oh, regardez. On a moyen d'aller dans ce sens-là et à mon avis, c'est là qu'on va aller au niveau du paradis, je pense. Oh. Il y a une montgolfière là-bas. Ok, trop cool. Alors attendez, on va le prendre, on va voir ce que ça donne. Mais surtout après la suite, ça sera à ce niveau-là. On va juste voir s'il y a la nouvelle pièce, en espérant de pas tomber dans le vide. Pas tomber? Ah non, c'est bon. Mais c'est vrai que j'ai ma torche, je pourrais regarder quand même. Ah non, ça éclaire pas grand-chose en vérité, même à l'intérieur. Oh, on peut débloquer toute la suite là. Waouh, j'ai débloqué plein de trucs. Trop cool. Curve, ah oui, ça c'est les virages. Curve, c'est les virages. Bon, très bien. Allons voir donc où mène ce petit kart ici. Hop, vas-y, je monte là-dedans. Accélère, mon pote. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là, hein? On va monter sur... Mais c'est le spawn, en fait. On monte sur le spawn. Ah, mais il y a des trucs. Waouh. Oh, petit backflip au calme. Allez, on descend de là. Donc, je sais pas ce qu'on va avoir ici, mais ça va être très intéressant à voir. On a un kart abandonné, apparemment. Et on a toute la vue sur tous les autres cartes. Et regardez, je vous parlais d'un parcours géant. Regardez les rails géants qu'il y a là-bas.
on va sûrement avoir des cartes de fou. Par contre, ce canon, il va m'amener où, là? Je sais pas. Et là, il y a quoi? Il y a rien ici, hein. Oh, c'est ça, attendez. Oh, je suis bloqué. Ouais, je suis tombé. Ah, je sais où ça mène. Ça mène sur un hobby juste en dessous. On ira après. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un petit spot ici pour faire spawn un carte. Mais attendez, est-ce qu'il se marche, ce truc? Waouh, trop cool. On peut visiter la map comme ça, mais je veux pas trop me faire spoil. Descends, descends. Waouh. Salut, mec. À la prochaine. Je veux pas trop me spoil, alors je veux pas aller trop haut et tout voir. Eh, hey, il y a un truc à trouver, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je crois que j'ai des pets, maintenant. Je peux faire spawn des pets. Oh, j'ai une bouteille aussi. Et la bouteille de citron. J'aime pas que le citron s'arrondait comme ça. Allez, go dans le canon, voir ce que ça donne. Et après, on retourne sur le tycoon. On va... Wouah. Ok, j'ai traversé toute la map. Et apparemment, il y a d'autres trucs à ce niveau-là. On ira voir également tout à l'heure. Mais allez, moi, je veux continuer mon tycoon. Alors, mon tycoon, il est où? Oh, je suis pas chez moi, là. Moi, c'est de l'autre côté. J'ai spawn au mauvais endroit. Donc là, évidemment, on va reprendre un petit carte. Ça ira plus vite. Allez, vas-y. Oh, attendez, attendez. Juste avant, j'aimerais juste me reprendre ça. Ça pourrait m'être utile. Hop là. Merci, mon pote. Donc, voyons voir. Accélère. Waouh. J'adore visiter mon propre tycoon avec ce carte. Et là, on arrive à la cascade avec la petite chauve-souris. Donc, la suite. Normalement, les rails sont posés. Je vais pas tomber dans le vide. Ah non, c'est pas encore. Là, il y a les yeux bizarres. Et là, c'est bon. On peut continuer. Il y avait rien d'autre à débloquer. Et on peut y aller. Je saute. Je veux pas tomber, moi. Par contre, c'est dangereux, là, du coup. Yep, yep, yep. Salut, mon carte. Voilà comment je n'ai pas fini. Heureusement que j'ai sauté, hein. Donc, ouais, bon, par contre, c'est un petit peu périlleux comme histoire, là. On est là, sur les rails. On n'a pas d'autre choix. Vite. Ouais, c'est bon, j'ai débloqué la base. On a ici une petite échelle qui va nous permettre de monter sur les salles comme ça. Mais pourquoi faire? Je ne sais pas. Je sais pas. Au moins, c'est là, c'est cool. Ah, mais si, il y a un autre truc à débloquer ici. Oh, avec des points d'interrogation. Mais qu'est-ce que ça peut être? Bah, écoutez, on va voir ça très rapidement. C'est parti. Oh, panneau, panneau. Anywhere but here. Quoi? Wouh! J'ai une voiture. Attendez, attendez, elle est un petit peu mal posée, là. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai un panneau comme ça? Ah, mais nickel. Attendez, elle va me permettre de réussir à remonter là-haut. Yep, voilà. Merci, hein. Bon, par contre, elle avait un mauvais spawn. À la limite, on peut la mettre là. Voilà, là, on est bien. Donc, allez. Ah, mince, faut que je garde le panneau, en fait? Ouais, je sais pas. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Donc, allez, on débloque tout ce qu'il y a ici. C'est les Giant Minecart, déjà. Oh, ils sont gigantesques. Pour l'instant, ils ne mènent à rien, mais on verra bien. Alors, Giant Track 1, Giant Track 2. Wow, ça se débloque sur nos yeux, sous nos yeux ébahis. Magnifique. Bah écoutez, je crois qu'on n'a pas le choix, on va y aller. Oh, un visiteur. Un visiteur. Heureusement que j'ai fait la plateforme, hein, sinon il serait tombé. Salut, mon pote. Aïe. Ça va? What? Il va me tuer. Il veut me tuer qu'un sèche-cheveux, lui. Mais il me lance des balles. Il me lance des bulles, ou je sais pas ce que c'est. Bref, viens avec moi dans le kart, mec. On va se balader. Alors attendez, je m'assois, est-ce que je deviens géant? Non, je suis tout petit dans un kart de géant. Allez, on y va! Heureusement qu'on est deux, sinon ça ferait un peu vide. Et on avance! Alors, qu'est-ce que ça va donner? Il y a plein de petits points rouges un petit peu partout. J'espère qu'on va pas dérailler, tout va bien? Il faut sauter. Ah non, c'est bon, il y a un stop, il y a un stop, il y a un stop. Boum! Oh! Ça y est, on y est. Alors, est-ce que je peux sortir? Ah oui, regardez. Il y a de quoi? Heureusement, ils ont pensé à cette petite marche. Et nous, on débloque! Le paradis, c'est exactement ça! Waouh! C'est le paradis des noobs, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Micro kart ride. C'est le monde minuscule. Mais attendez, je peux monter là-dedans, moi? Oh, oh, oh. Je l'ai fait direct derrière, je suis tombé. Bon, ok, c'est pas fait pour moi, je crois. Je mettrai des gobelins dedans, je sais pas ce que je mettrai, on verra ça tout à l'heure. Ici, on a une potion à boire. Qu'est-ce que... Ah, c'est pour devenir tout petit. C'est pour devenir tout petit. C'est ça. Oh, je suis hyper lent maintenant. J'ai mes jambes qui se sont un peu disloquées. Mais allez, faites-moi spawn. Quoi? Je suis revenu au spawn. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et en plus, je suis tout petit, comment je vais faire? Là, les amis, on a un problème. Je crois que je suis obligé d'aller sauter pour reset mon personnage. Alors, on va passer par là. Oh, attention, c'est parti! Ah mince, mais faudrait que je me téléporte là-bas, moi. Pourquoi je suis revenu au spawn? Donc là, normalement, je peux aller jusqu'au paradis sans trop de problèmes. Ça y est, me voici de retour. Oh, je suis en train d'empiler les cartes, par contre. Bon, on va attendre avant de se mettre tout petit. Ça éviterait de se faire avoir. Et ici... Oh... Regardez, c'est une poupée vaudou. Est-ce que je peux lui taper dessus? Oh, mais elle est morte, en fait. Une poupée vaudou morte. Allez, qu'est-ce qu'il y a ici? Une rage table? Une table de rage? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Wow! C'est génial comme truc! Tu reviens d'une journée compliquée, t'en as marre! Tu poses une table comme ça, qui est faite pour se faire balancer et qui ne s'arrête pas! Boum! C'est délire.
J'ai jamais vu un truc comme ça sur Roblox. Gravity Coil. Pour des blocs, on va pouvoir sauter un petit peu plus haut. Et ça, qu'est-ce que c'est? Pas ce qu'il veut. Oh, c'est le truc qui vont me permettre de monter, je crois. Attendez. Ah oui, c'est ça. Je peux monter comme à la fin des hobbies. Trop cool. Et ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, un téléporteur. Mais voilà ce qu'il me fallait. Comme ça, je pourrais me téléporter directement ici. Bon, est-ce qu'on retente le... Il a l'air stylé en vrai. Bien sûr qu'on va le retenter. Mais attendez, est-ce que j'ai pas un autre truc à débloquer? Non, c'est bon. Allez, on devient tout petit. C'est parti. Transforme-moi en petit. Et let's go. Attention, attention, on se fait pas téléporter. Monte là-dedans, monte là-dedans. On y est. Bienvenue dans le monde des Minimoys. Waouh, c'est très joli. Il y a des petites maisons, une église. C'est tout un village en fait. Ok, ok, ok. On va où là? On va où? C'est dangereux ça. Non, c'est pas de la lave, c'est bon. C'est juste un sol, tout va bien. Waouh, il a galéré à monter. Wouah, le looping, les amis, incroyable! Ah, je l'avais bien vu de loin, ce petit looping, et on va pouvoir débloquer de nouvelles choses, on va pouvoir améliorer donc ce petit kart ride là, ce minuscule kart ride, que j'ose dire, et oula, 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 c'est bon, il y a une plateforme? Non, il n'y a pas de plateforme. Oh, attendez, c'est vachement dangereux, là, je vais sauter, mais faut pas tomber. Hein. Oh, wow, wow, wow! Mais il y a une plateforme, en fait! Ah, c'est bon! Ouh, j'ai failli tomber, est-ce que je peux pas... Ah oui, c'est bon, je peux revenir grand. Ouh, nickel! Alors, faut pas confondre de potions maintenant que j'en ai deux. Oh, bah c'est bon, ça me l'a fait tout seul. Waouh! Le chemin vers le paradis. On n'y est pas encore, en fait. Hein. Ok, ok, ok. Oui, encore des trucs là-bas. Non, c'est pas à moi, ça. C'est à l'autre tycoon, je pense. Non, c'est peut-être à moi, en vrai, je sais pas. Bah écoutez, on va monter ces marches et on va voir ce que ça donne. Ah ouais, mais attendez, en fait, il faut que je prenne une potion pour devenir grand. Parce que là, c'est pas possible, je peux pas monter, moi, tout ça. Oui, voilà. Là, on peut monter plus tranquillement. Putain, mais il est génial, ce tycoon, il est incroyable. Il y a tellement de trucs différents, ça fait plaisir. Et là, on entre aux portes du paradis. J'espère mériter le paradis et pas l'enfer. Bon, si je suis là, c'est que normalement, j'ai le paradis. Wow, un téléporteur qu'on vient de débloquer. Est-ce que je redeviendrai pas petit, quand même? Parce que là, je suis un peu grand, je trouve. Allez, redeviens normal. Allô, bois ça, Red Kill. Bois ça. Bon, il veut pas boire, apparemment. Bon, bah tant pis. Allez, on débloque ici Blue Money Gem. Waouh, ça va servir à quoi, ça? Est-ce que ça me permet d'avoir plus de thunes? Ou c'est sûrement pour exposer ma richesse? Ma richesse de fou, incroyable. Oh, c'est vachement coloré. Oh, Rainbow Magic Carpet. Je peux voler, les amis. Je peux voler normalement. J'ai mon tapis. Oui, mais je suis devenu tout petit. Je sais même plus si je suis petit, normal, ou juste... je sais pas. Bon, ça va être très pratique. Eh, mais j'ai une truelle aussi. À quoi ça va servir? Ça permet de faire des constructions. Ah, trop classe. Ensuite, on dit... Oh, mais ça commence à coûter très très cher, là. Attendez, je vais pas dépenser toute ma thune ici, mais il y a le Rocket Jumper qui est là. What? Je suis en train de prendre des dégâts. Ah bah oui, je suis dans la lave, mais attendez, je vais juste récupérer le bazooka qui est là. On va voir ce que ça donne. Attention. Oh, trop classe. Je peux casser toutes mes constructions, c'est incroyable. Bon, il me reste tout juste 1 million, donc je vais pas continuer à acheter ces trucs-là. On va continuer d'aller améliorer mon tycoon avant de prendre de nouveaux objets. Et en face, il y a quelque chose là-bas. Mais maintenant qu'on peut voler, c'est parfait, ça. Attendez. Hop, petite Magic Carpet. Et on y va. Attention, hein. Attention à pas acheter quelque chose de trop cher. Il n'y a plus beaucoup de thunes. Ah, c'est des nouveaux cocotiers. Il y a combien de thunes, là? 3 millions 4. Waouh, on se met trop bien. Oh, il y a un code à mettre. Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui m'a parlé d'un code, mais je sais plus du tout ce que c'est. Je vais leur demander quel est le code. En attendant, on peut apercevoir ces magnifiques cocotiers en diamant incroyables. Et autour, est-ce qu'il y a quelque chose à développer? Non, il n'y a rien. Alors, on me dit que le code, c'est 1957. Ok, alors, on va tester. 19... Oups, ça, c'est pas ce que je voulais, ça. Oh non, mais j'ai... Voilà, on l'a dit. 19 et 57. Entrée. Attention, allez, allô. Non, y a rien, ça marche pas. Ah, il faut rajouter un 2 derrière, ok. 19, 57, 2, entrée. Oui, ça a fait quelque chose, je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça a fait? Je crois que ça a amélioré mes cocotiers, non, je sais pas. Peut-être j'aurai plus de thunes, j'en sais rien. On verra ça plus tard. Il y a un truc tout là-haut, là-bas. Parce que c'est... Alors la suite de mon kart ride, apparemment, ça se situe à ce niveau-là. Il y a encore plein de trucs à découvrir. Mais juste avant, j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, là-bas, au spawn. En tout cas, c'est bien pratique quand même, un petit tapis, hein. Et j'ai oublié de passer un petit message à tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Je vous demande à tous, évidemment, de vous abonner à ma chaîne, histoire qu'on atteigne ensemble les 1 million d'abonnés, évidemment. Oh, regardez, je peux construire un mur ici pour que personne rentre, en fait. Mais il faudrait peut-être que je me mette à l'intérieur avant d'être enfermé. Voilà, on fait un mur, personne rentre. Non, je rigole. Alors, en fait, il y a une sorte de hobby à faire, là, j'ai l'impression. Alors, on va tenter ça. Hop, là, on est dans le monde des pyramides. Mais par contre, il y a le logo des premium Roblox partout, j'ai l'impression. Ok, on passe par là, on passe par là. Je sais pas du tout où ça va me mener. Mais écoutez...
On verra bien. Alors, est-ce que ça bouge, ce truc-là? Ouah, c'était sûr! Le truc balance. Alors, ça, on va aller là. On va attendre, on va attendre. Oh, il y a des casques des mineurs. On va passer sur les casques des mineurs. Yep là! Le petit volcan. Et me dites pas qu'il faut aller à l'intérieur. Non, c'est bon, tout va bien, tout va... Attention, il y a de la lave qui a coulé, j'ai pris des dégâts. Après, je pourrais tricher, utiliser mon carpet, mais bon, c'est un peu triché quand même, je trouve, non? Je préfère le faire le hobby moi-même. Alors... Oh, il y a deux choix. On peut aller là, mais il y a un cadenas apparemment, donc faut peut-être trouver une clé. Et ici... Ah ben voilà. La clé est juste là. Alors attendez, hop là. Yeah. C'est bon. Donc on va prendre cette petite clé. Merci monsieur le mineur. Et moi j'y retourne. Donc maintenant que j'ai la clé, j'espère que ça va s'ouvrir automatiquement. Ils sont encore vivants ces petits arbres, voilà les pauvres. Oui, ça a ouvert. Et là, oula, ce pont est dangereux, ce pont est dangereux, ce pont est dangereux. Mais c'est bon, on l'a passé. Alors la suite. Je suis en train d'enchaîner le hobby là sans problème, même pas mort une seule fois. Oh, attention à ça. Faut pas toucher, je pense, hein. Faut pas toucher, les amis. Oh putain, j'ai peur, c'est des rails en fait. Je croyais que c'était des pièges. Allez, appelle un cartelide. Allô? Tu veux pas venir? Bah tant pis, hein, moi je vais. Regardez, c'est simple. Ou sinon, je vais y aller à pied comme ça. Hop là, voilà, ça passe. Par contre, faut aller à droite ou à gauche là? Oh, il y a un levier. Active-toi, petit levier, non? Il veut pas nous faire passer à droite? Je sais pas, en vrai, je sais pas s'il faut aller à gauche ou à droite. Alors ici, il y a quoi? Petit mineur, salut mec. Oh, mais déprime pas, mec, sois content. Bon, après, travailler dans la mine, c'est pas exceptionnel, hein. C'est pas facile, on va dire. Enfin, si, c'est exceptionnel, mais c'est pas facile. Et ici on a un petit catch giver. Ok, ça m'a donné 30 000 et on est revenu au spawn. Bon, on va voir ce qu'il y a tout là-haut, il y a peut-être un succès Roblox à voir. Alors, dites-moi tout, oh, c'est une tête de noob ça qu'il y a. Oh, on peut la faire bouger? On peut la faire tomber? Ça serait trop bien de la faire tomber sur le tycoon de quelqu'un. Oh, non, par contre, on peut faire ça. Et ça, à mon avis, ça va être exceptionnel. Par contre, il s'est pas mis sur les rails, le truc. Allez go, avance, avance. Il veut pas. Il est bugué, il faudrait qu'il se mette sur les rails. Je pensais qu'on allait faire une chute de fou, mais en fait, on la fera pas. Par contre, je peux peut-être lui tirer dessus. Ah non, ça marche pas. Bon, on va tester ce cart ride qu'il y a juste là. Pourtant, il y avait marqué VIP, mais en fait, non, on n'a pas besoin. Ah, si, il faut être VIP, je crois. Ah non, c'est bon. Oh là, let's go. C'est gratos, on peut y aller. Alors, on a pris celui de droite, j'espère que c'était le bon chemin. Ouais, l'autre avait... Non, c'est un piège, c'est un piège. Oh, c'était qui, ça? Bah, c'est bon, ça m'a pas tué. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, regardez, il y a un village indien là-bas avec des tipis. La descente, incroyable. Attention, c'est bon, ça a assez de force pour monter. Ah, on peut donc changer la direction avec les leviers normalement. Attention, j'appuie, oui. Là, ça va nous faire aller tout droit si j'ai assez de force. J'espère que le cube d'air, c'est normal. Ne nous pétez pas. Oh, oh. J'avais pas vu ce que ça avait fait sur ma tête. Je suis devenu tout vert et j'ai une tête de je sais pas qui. Et on peut continuer donc vers un truc encore plus bizarre. Il s'agit d'une porte de je ne sais quoi, du paradis encore. Oh, on peut avoir ces trucs là? Oui, on peut les avoir. Alors, un petit stand. J'ai ouvert un petit stand, les amis. Je suis un docteur. Si vous avez des problèmes, venez me voir. Bon, par contre, j'ai plus de place dans mon inventaire. Je peux pas prendre les autres trucs qu'il y a ici, dommage. Et là, on va rentrer dans les portes du paradis ou je ne sais quoi. Téléporte ou start. Ah, c'est pour revenir au début. Bon, attendez, moi, j'ai oublié juste d'aller voir le village indien, là, qui est là. Que ça a l'air très sympa. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur? Oh, le code, il est là, en fait. 19572. Allez, va à l'intérieur. Ouais, là, ça marche pas. Et ici, on avait un petit bonus de cash de l'autre côté. Oh, salut, toi. Donc, allons voir ici ce qu'on peut faire. Ah, mais non, attendez, c'est le tycoon d'à côté, ça. Je peux pas lui acheter ça. Non, je peux pas lui acheter. Non, c'est le tycoon d'à côté, en fait. Bon, allez, je vais récolter ma thune, qui est de... Je sais pas combien. C'est 6 millions, maintenant. Et on va aller s'acheter les objets restants ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On a Yellow Money Gem. Ah mince, j'ai plus de place, c'est vrai, dans mon inventaire, je peux pas l'avoir. Waouh, trop classe. Ensuite, pour 3 millions, on va avoir le Purple Money Gem. Bon, écoutez, attendez. Je vais me tuer, je vais revenir ici. Hop, on emprunte le téléporteur, on prend le Magic Carpet, il était où déjà? Ah non, il est là-haut encore, il faut aller là-dedans maintenant. Parfait. Et là, le Magic Carpet, je crois qu'il était juste là. Ça, c'est le truc le plus utile du monde, voilà. Donc maintenant, on peut choper ce truc-là, qui est une sorte de bâton pour faire quoi? What? J'ai invoqué des zombies, les amis. J'ai invoqué des zombies. Mais ça va, ils ont l'air d'être gentils, en vrai. Ah bah les gars, ça va, ils sont cool. Et ici, qu'est-ce qu'on avait? On a un violon et un piano. Oh, what? Oh, l'illusion d'optique, c'est trop stylé. On dirait qu'il y a un fond comme ça, mais en fait, c'est faux. Donc là, j'ai un piano, on va jouer du piano pour les zombies, ça leur fera plaisir. Oh là, on va jouer du violon, les gars. Oh, ils sont morts. Bon, par contre, les deux prochains coûtent 10 millions et 50 millions, c'est énormissime.
On va aller voir si d'autres joueurs les ont pas débloqués. En tout cas, de mon côté, il n'y a pas grand monde qui a débloqué tout ce que j'ai débloqué. Par contre, en face, il y a deux joueurs qui ont déjà les deux temples là. Donc, allons voir si on peut leur piquer des objets. Ta-di-da-da. Hey, salut toi! Je viens voir si t'as débloqué les trucs. Ah ouais, il a débloqué celui-là à 10 millions. Wow, je suis pas sûr de vouloir y aller là-dedans. Laser Finger Pointer. On va tester ça. Oh, oh, c'est trop classe. Regardez, c'est un triple laser. Rouge, vert, bleu, ça c'est pratique. Bon, par contre, il a pas débloqué ce truc-là apparemment. En même temps, 50 millions, il y a 25 millions lui. Et lui à côté, qu'est-ce qu'il a débloqué? Est-ce qu'il a... Ah non, lui non plus, il a pas les deux derniers comme moi. Bon bah écoutez, les abos, c'était un super tycoon. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Nous, on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. J'en fais tous les jours sur ma chaîne. Alors n'hésitez pas à aller voir. Salut à tous, c'était Red King. Bye tout le monde.